peine, les deux. Féminine, masculine, masculin. Ah, c'est bon, ça démarre là. L'arbitre va donner dans quelques instants le coup d'envoi. C'est bon, c'est parti pour les féminines. Qui cherche le numéro 6. Là, c'est débranché, je crois. C'est débranché là. Là, s'il y a ceux qui un tir à côté. C'est bien essayé. On attend le ballon, voilà. José, le grand gardien prêté par les masculins de Palo. Il cherche une solution. Voilà. Sur la touche. Impeccable. Hop, dommage le contrôle. C'est le coach Jean-Pierre qui va refaire cette. Sur la touche. Tout à fait, Thierry. Patrick, mon frère. Samia qui dégage comme elle peut. Sienz qui récupère, Antoine. Patrick récupère, relance dans l'axe. José sans problème. Petit dégagement. Bruno, hop, petite feinte. Oui, oh, oh, il tombe. Il me semble qu'il y a une faute. Bruno s'est excusé, c'est le fair play. Un dégagement loin. Pour Jean-Pierre. Je ne connais pas, une fille de Perpignan. Un débordement sur l'aile. Temporise, on attend. Dans l'axe. C'est notre champion du Roussillon, Saint-André. Voilà, il déborde. Hop. En retrait pour le centre, certainement. Oui. Ah, Gilles qui coupe la trajectoire. Augustin. Bruno. Cherche du soutien, temporise. Il retrouve Augustin. Thomas, Augustin. Hop, José s'est bien interposé. Très long dégagement. Jean-Pierre directement en touche. Ah non. En retrait pour. Hop, très bien joué le 1-2 là. Le long de la touche. Bien le touche, oui. Hop, bien coupé. Un peu dangereux, oui. Je siffle, le public siffle. Sorti pour Palo, exactement. En 1-2, très bien. Jean-Pierre qui va centrer, non. Petit crochet. En retrait. Tranquille. Là, le centre, voilà. Une frappe, oui. Et. José s'est bien couché, et pas de problème. Ah, c'est. Il a mis un corner. Encore mieux. Le match d'avant, il était mieux, non? Qui est pas beau, Bruno, il va faire ce corner. Il faut payer là. Un centre tendu. Claquette du gardien. Hop, et but. Ouverture du score par Thomas Garcia. Thank you.
On attend l'attaquante pour faire la remise en jeu. C'est sifflé. Voilà. Là, bien revenu la défense de Patrick qui écarte pour Jean-Pierre sur le côté toujours avec Bruno tranquillement. Il s'est mis à concéder une touche au presque au milieu de terrain. Bien joué avec Antoine. Cherche une solution, voilà. Dans l'axe pour Thomas encore. Et tire à côté. Belle occasion. Ah, c'est 2-0. Ah, il est rentré celui-là. Je sais pas. Il est rentré là. Ah ouais, ouais, c'est 2-0. Je pensais qu'il allait tirer à côté. Donc un doublé de Thomas Garcia. En forme ces derniers temps. Jean-Pierre tranquille, hop, dans l'axe avec Antoine, oui, il accélère un peu, cherche la solution avec Jeannot. Bruno. Bruno qui tire à côté. Belle occasion. L'axe du terrain. Le gardien va faire ce dégagement. Je trouve oh, dommage le contrôle loupé. Mais récupéré quand même par les bleus. Bon contrôle. Elle accélère un peu. Cherche une solution. Et finalement elle frappe écrasée. Dommage. Pas de problème pour le gardien de Palo masculin. Thomas Garcia. Gardien s'est interposé. Antoine récupère. Martine. Notre vétérante. Mais c'est toujours dans la moitié parce que Bruno. En profondeur, dommage. Le gardien qui temporise un peu. Toujours ces longs dégagements. À la récupération, Jean-Pierre. Gilles, tranquillement. Il peut distribuer. Voilà. Avec Thomas. Son frère Augustin. Qui centre. Hop. Bruno à la récupération. Au deuxième poteau. Entre deux, bloqué entre deux filles. Voilà. Bien joué le 1-2 là. Bruno qui cherchait du soutien, impeccable. Trouve Patrick. Qui va chercher dans l'axe. Non, à écarter plutôt pour Thomas. Ce sera une remise à une touche bleue. Martine, l'autre Martine. On a sifflé un hors-jeu, il me semble. Ou une faute. Un hors-jeu. Augustin cherche une solution, il écarte. Ah non, non. La faute est commise plus loin. Jean-Pierre, Gilles. Augustin. Jeannot. Thomas. Thomas qui déborde. Il centre. Personne à la récupération. Jean-Pierre. Il va recentrer. Il temporise un peu. Il attire le soutien. Petite feinte. Hop. Un petit gris-gris. Hop. Il voulait faire un petit pont qui n'a pas marché. Ce sera 6 mètres. Le coach de Palo, décevant.
Nul. Pas dire ça. Ah, maintenant. Faut déborder, déborde, déborde. Accélère. Accélère. Voilà. Le centre. Pas de problème pour le gardien. C'est maître. Qui c'est? C'est maître. Qui c'est le gardien? Roger. Ah, c'est Roger. Saint-André. Il va effectuer ce dégagement. Avec Patrick qui contrôle. Dans l'axe avec Jeannot. Jeannot qui écarte pour Thomas. Thomas en retrait avec son Augusté. Super. Ah, ça c'est Christophe qui a été prêté pour ce match, qui a bien écarté sur son ailier droit, qui cherche en retrait numéro 7. Tranquille, beaucoup de métier. Jean-Pierre a laissé passer ce ballon pour Thomas. Jean-Pierre, Christophe récupère. Antoine, dans l'axe. Hop, 1, 2, 3. Joueur, c'était difficile à réaliser. Bien. Augustin concède la touche. Je joue après. On cherche une solution derrière avec Christophe. Hop. Il a tenté le coup du sombrero, mais en touche. Caro, bien joué. Le petit, un centre du 11 ne serait tardé. Un retrait pour Caro qui va frapper. Thomas, Gilles. Ah, une frappe à côté. Les féminines ont repris un peu le match. C'était dépassé là, mais c'est bon, c'est repris un peu. Jean-Pierre. Je sais pas. Yannick, au-dessus. Yannick, Christophe, qu'on a prêté pour équilibrer un peu les équipes. Le gardien va dégager. Bouger. Oh, bon enchaînement, contrôle poitrine, frappe enchaînée. Super. Thomas qui va sauver la touche. Il va passer. Il lève la tête. Il va passer un peu. Chercher dans l'axe Antoine. Je sais pas. Une touche de touche de balle avec Jean-Pierre. Patrick, Jean-Pierre. Christophe a coupé. Prend l'axe, l'axe. Il va accélérer. Bien coupé par Antoine. Bien joué. Antoine encore. Martine. Numéro 11 du palo féminin. Ça c'est Cathy. Oh, le gardien récupère ce ballon en deux temps. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Cathy là-haut. Cathy? Ah. Jeannot qui déborde Martine. Qui va passer? Déborde sa femme aussi. Et José sans problème. Ah, Caro qui a manqué son contrôle. Gilles. Numéro 7 qui va frapper certainement. Oh, c'est bien essayé.
Ce ballon n'est pas sorti. Christophe. Bon arrêt du gardien. J'ai qui passe. Qui s'était contré par Gwen. Antoine. Avec Augustin. Qui écarte sur la droite pour Jeannot. Cherche une solution. Encore sur le côté. Et Patrick. Ah. Patrick toujours. Un centre. C'est derrière. Bonne tête. Martine, Cathy. Et c'est la mi-temps. Sur le score de 2-0. C'est Gwen et Cathy. Là. On est reparti là sur une mi-temps. Hop, bonne intervention du gardien devant Carole qui va le provoquer un peu. Il rigole. Bien Martine, oui. Jeannot déborde, il va chercher une solution, lève la tête déjà, il regarde, il avance. Pas de solution, hop, il va donner. Bien. Avec Thomas ou Christophe qui a mis un tacle. J'ai vu qu'il y a eu des changements en Étienne pour le féminine. Etienne qui a bien écarté. Samia, oui. Samia seul. Oh, elle écrase de sa propre. Seul face au gardien. Elle s'énerve. S'explique entre les Carole et Samia. Mais les bleus attaquent encore. Un double contre. Qui profite au bleu. Carole qui obtient un corner, je crois. Qui joue avec une main dans le plâtre. Le corner n'est pas effectué à l'endroit voulu, directement dehors. Augustin face à Martine. Guillaume face à Étienne. Trouve Bruno. Bruno, Thomas. Encore Bruno. Martine qui récupère. Oh, Martine devant.
avec l'autre Martin. Talonnade. Oh, belle sortie du gardien dans les pieds d'Antoine. Long dégagement. Les bleus récupèrent tranquille. Et sortie de but. Gardien tranquille, place son ballon. Expérience, on joue la montre. Bon amorti du numéro 10. Bruno cherche une solution. Carole va se présenter face au gardien. Une frappe, hop, écrasé. Oh, une main là de Carole, c'est une faute. Christophe récupère, il accélère un peu, il écarte pour le 10, qui centre, on réclame un pénalty et on tire Samia qui tire à côté, oh là là, on ne l'a pas marqué. Yannick, c'est Jean-Pierre, il arrive à centrer, une tête au-dessus, oh, il... plus difficile de la mettre dehors que dedans, mais les bleus se créent beaucoup d'occasions cette seconde période. Guillaume, Augustin, Bruno, Christophe, avec Étienne, Caro, et Étienne au-dessus. Transformation, 3 points. 3-2. Transformation. 3-2 pour les féminines, donc. Non, il faudrait qu'elle marque, sérieusement. Ouais. Elle domine là, ça crée beaucoup d'occasions, elle mériterait de marquer un but. Au moins pour l'honneur. Augustin, en retrait. Non. Avec Thomas. Personne dans l'axe profond. Contrôle poitrine. Oh, très beau geste technique. Bien écarté sur le côté droit là-bas. Oh, qui loupe sa reprise. Maintenant. Au-dessus, oh là là. Et 0% de réussite. Un bon contrôle de Guillaume au milieu. Avec Antoine, il joue en 1-2. Cherche une solution. Martine qui coupe. Voilà, Christophe. Qui l'accélère dans l'axe, prend 3 joueurs de vitesse et a fait la différence. Caro, ouais, ça y est, le but de Caro. Ça faisait un moment que les bleus dominaient.
Mérité, but mérité. Peut-être que un second but serait tardé. Remise en jeu, Augustin, Antoine, Jean-Pierre, Gilles, encore Jean-Pierre, Christophe qui a coupé ce ballon. Elle lève la tête, elle centre. Hop, Gilles qui laisse passer, Samia qui récupère. Elle écarte sur le côté. Oh, Carole, bonne intervention du gardien. Ou geste méchant. T'as taclé le gardien. Christophe qui tente le lob mais au-dessus. Oh. Je vois le prochain match. Les joueurs vont s'échauffer. Sortie de l'arsène, des vestiaires. Il y a une faute, jouée rapidement. Jean-Pierre sur le couloir gauche. Bien défendu. Bonjour Jean-Pierre. Un tacle là sur Antoine, il n'y a pas de faute. Yannick, il centre, hop, carreau, bien défendu de Jeannot avec Thomas qui récupère ce ballon, joue tranquillement pour Jeannot, bien coupé par Étienne. Jeannot avec Bruno. Bruno crochet et Christophe encore à la récupération. Contrôle poitrine. Et le gardien sans problème. Yannick, non, il s'est pas fait mal. Augustin, bien devant. Et Bruno. Il a récupéré Étienne. Augustin. Hop. Pas de faute. Un tir largement à côté. Hop devant, carreau, face à Gilles, elle n'est pas passée. Jeannot. Jeannot qui dribble, hop, il rate la balle. Bien écarté par Étienne. Son ailier droit qui centre. Bonne intervention du gardien. Face à deux joueuses. Ouh, petite bagarre là. Ça dégénère. L'arbitre devrait sortir un carton d'ailleurs pour calmer les esprits. Petite tête pour Guillaume. On ne donnera pas le carton bleu, le carton du fair play sur ce match. Voilà, bien écarté.
Thomas. Christophe concède une touche. On attend le ballon. Bruno. José tranquillement. Hop, Guillaume contrôle ce ballon. Par-dessus la défense pour Bruno. Avec Thomas en soutien. Bien écarté avec Augustin. Qui tente sa chance de loin. À côté. Thomas. 10 francs. On cherche le centre, Samia, Gilles, Jean-Pierre, Thomas, Étienne qui accélère un peu, talonnade, très bien joué, dans l'axe. On cherche encore le côté pour le centre. Encore en retrait. Yannick, centre. Non, il tente sa chance. Dommage. Lucarne. Bon, il faut que les bleus se réveillent là. Jean-Pierre qui déborde, ah, il a voulu jouer, mais Christophe a bien coupé. Centre. Oh, Martine, mais le gardien était là. Avec Gilles. Jean-Pierre. Thomas. Bruno. Va se présenter seul face au gardien. Et je crois que c'est le troisième but. 3-1. Petit gros plan là, sur le buteur. C'est reparti pour les bleus. Un centre. Ah, Martine qui va sûrement tenter sa chance, non. Gêné par Gilles, le gardien récupère. Feinte de relâche à la main, finalement au pied. On a tenté de loin de surprendre le gardien. Hop, on veut jeter une bouteille là au gardien. L'arbitre sort toujours pas de carton. Je crois qu'il vient de siffler la fin de ce match. Score final 3-1 pour les verts, donc les masculins de Palo. On n'échangera pas les maillots, je crois. Non.
Les hommes veulent changer les maillots. Dans ce dernier match de ce tournoi, coup d'envoi donné par Bruno Jean-Michel, de suite loin devant, mais José, le gardien, a capté ce ballon, qui relance à droite. Tête manquée d'Antoine, hop, récupération Thomas à la science, et Pone qui dégage ce ballon en touche. Brieux qui se précipite là. Il joue ce corner à deux. Vous touchez ? Même ma mère ? On entend déjà le crier là. Pied qui se presse pas trop. Il est dégoûté d'aller chercher ce ballon. Ça y est, il va effectuer ce corner. Pique à la tombée, Ridouane centre sur le poteau, mais c'est derrière. Gardien, un arbitre prêté. Antoine dribble en profondeur, mais les Bleus ont récupéré ce ballon. Jean-Michel. Larsen, Larsen qui provoque, Jean-Michel dans l'espace, mais Brio coupe ce ballon, il écarte avec Domi, en retrait pour Bucks, en profondeur. C'est bon là. Dans ce dernier match de ce tournoi, coup d'envoi donné par Bruno Jean-Michel. De suite loin devant, mais José, le gardien, a capté ce ballon, qui relance à droite. Tête manquée d'Antoine, hop, récupération Thomas à la science, et Pone qui dégage ce ballon en touche. Brieux qui se précipite là. Il joue ce corner à deux. Vous touchez ? Même ma mère ? On entend déjà le crier là. Pied qui se presse pas trop. Il est dégoûté d'aller chercher ce ballon. Ça y est, il va effectuer ce corner. Pique à la tombée, Ridouane centre sur le poteau, mais c'est derrière. Gardien, un arbitre prêté. Antoine dribble en profondeur, mais les Bleus ont récupéré ce ballon. Jean-Michel. Larsen, Larsen qui provoque, Jean-Michel dans l'espace, mais Brio coupe ce ballon, il écarte avec Domi, en retrait pour Bucks, en profondeur pour Didier, et un hors-jeu, il marque, ça mérite un carton jaune ça. L'arbitre Mestre. On voit Farid, arbitre de cette rencontre. Abdé qui va faire ce hors-jeu, ce coup franc. Très long. Récupération. José. Écarte pour Gilles.
il cherche une solution. Et Patrick. Avec Christophe sur le côté droit. Il va déborder. Science qui se jette. Antoine, bien écarté avec Pone. Pone. Ah, directement en touche. Patrick, pour Gilles. Domi. Brio. Bucks. Alors là, c'est 6 mètres, je crois. Ouais, c'est bien 6 mètres. Ils sont un peu longs, là, le gardien. Oh, qu'il a manqué son contrôle. Thomas. Brio qui coupe. Bucks. Thomas. Qui est allé au contre. Il a considéré cette touche. Sébastien. Chat qui avait fait un retrait. Dribble là. Abdé face à Ridouane. Écarte. Pour Chatou, loin devant. José qui dit ça va, sa défense. Il rassure beaucoup. Abdé. À la lutte. Il va sauver cette touche. Et Sébastien qui dégage son camp en touche. Bucks. Pour pique. Sébastien. Il se fait piquer le ballon par pique. Pique. Il frappe mais à côté. Le gardien. Tranquille, il pose le ballon. C'est lui déjà. Abdé. Au centre. Brio qui coupe. Houssine. Houssine qui provoque. Il écarte bien sur Jean-Michel qui tente une frappe contrée. Et c'est Thomas qui met en touche ce ballon. Ou Augustin. Marquage. Encore une touche par Pone. Patrick Brio qui centre pour Ridouane. Abdé, bonne couverture de balle. Une frappe contrée. On écarte sur le côté Bucks. Science. C'est le bleu contre les jaunes, donc la corpo contre la première de Palo. Avec Bruno qui attend du soutien. Ah, dommage. José pour relancer à droite.
avec Patrick. Abdé qui coupe. Thomas. Gilles coupe à la tête. Pique. Sébastien sur le côté. Bruno qui se bat. Passe à Bucks. Elle est sortie. Sortie pour les jaunes, oui. Bien vu l'arbitre. On réclame une faute, mais il n'y a pas faute pour les bleus. Ah oui. Moi j'ai dit qu'il n'y avait pas faute. Gilles. Belle feinte. Didier. Bucks. La tête d'Abdé. Une petite frappe de Christophe qui passe légèrement à gauche. Mestre cherche une solution. Au pied. Le recul à prendre la main. Pone, point devant. Toujours en touche. Gilles pour eux. Non. Qui laisse à. Patrick, Roussin. Touche pour les jaunes. Bonne. Cherche à Michel. Centre. Bruno qui coupe. Jean-Michel récupère. Encore une coupe Didier. 1-2. En profondeur pour Pic. Se fait contrer par Abdé. Christophe. Va centrer, en retrait. On a sifflé. Il y a une belle reprise d'Ismaël. Ah, il y avait une faute, il a pas. L'arbitre n'a pas laissé l'avantage. Centre, second poteau, contrôle de Ridouane, Brio, il centre pour une reprise de Patrick. Face à Didier, voilà, bien, il a pris la main. Brio de la tête. Christophe, Didier, Ridouane. Bonne couverture de Sébastien. Pic qui fait une faute sur Roussin. Non, c'est plutôt Larsen. C'est l'autre Roussin. C'est des jumeaux. Dégagement du gardien. Il y a une faute là. De Larsen, je crois. Non, il donne la faute aux jaunes. On donne souvent l'avantage à la défense. Abdé qui va faire un long dégagement. Il trouve aussi une. Bucks sur le côté pour Gilles. On va au contre. Saïd se retourne. Ah, il y avait une touche, elle était sortie, oui.
Patrick. Avec son gardien José. Personne qui va le presser. Dégagement. Pone. Pone sur le côté avec Saïd. Elle est sortie. Alors c'est une touche pour les bleus, ouais. Encore Patrick qui va faire cette touche avec Christophe. Ridouane qui a été lobé. Thomas. Arsène. Houssine. Et but, c'est l'ouverture du score 1-0 pour la Corpo. Très beau but là de Houssine. Dans l'ouverture de score 1-0. Pic va faire la remise en jeu avec Ridouane. Pour Brio. Domi. Toujours Domi. Bonne face à Pic. Pic qui frappe. Abdé. Pone. Bucks. Brio. Qui compte. Contré par Bruno. Peut centrer ou frapper. Il y a une petite faute là. Sur Christophe. Didier, la nouvelle recrue de Palo. Qui voulait Argelès cette saison. Didier. Sébastien, sur le côté. On touche. Bucks. Il se gêne un peu les jaunes là. Pic, Ridouane, Saïd qui a bien coupé, récupéré par Pic. Gardien, tranquille. Dégagement. Arsène. Oh, il loupe cette frappe. Christophe qui déborde Sébastien. Le groupe se récupère. Sébastien en touche. Pique. Ridouane. Il n'est pas sorti cette balle. Dégagement d'Abdé. Longue touche que va faire Box. C'est lui qui loupe son contrôle. Gilles. Et Patrick. Saïd. Arsène. Et José qui était monté un peu. Ridouane. Avec Pic. Saïd qui a coupé. Didier récupère. Extérieur. Pour Bucks. Centre pied gauche. Christophe va se retourner. Oh, Bucks, il manque sa tête. Encore Christophe.
Et ça aide. C'est 6 mètres, je crois. Ouais, c'est un 6 mètres. On réclame un corner, mais c'est bien un 6 mètres. Bon, ça tarde un peu là pour dégager ce ballon. Avec Pone qui loupe son contrôle. Isma. Passe à Pone toujours. Une grosse bagarre là. Voilà, Pone a le dernier mot. Avec Cousine. Allez, elle était en touche. Didier. Avec un Gilles entre les deux frères. Patrick. Pique. Par-dessus. Prisma. Centre au pied gauche. Abde. Je peux dégager ce ballon. Contré par Pique. Sma la tête. Pique. Ouais, une faute là. L'arbitre n'a pas sifflé cette faute là. Rio, Isma, c'est Patrick. Abdé, Sébastien, Saïd qui a du champ avec Houssine. Il cherchait Bruno, le box a coupé. Houssine encore. José relance de l'autre côté pour Domi. Attention, ils sont trois. Ridouane. Abdé. Un mauvais relance d'Abdé là pour Pique. Qui pique ce ballon à côté. Toujours 1-0. Oh les jeunes, qui c'est qui sort ? On demande un remplacement. Et une touche, non. Regardez. Au pied. Jean-Michel qui jongle par-dessus. Il y récupère. Christophe pour la touche. Et encore une touche. Au corner. Ridouane qui laisse à Didier faire ce corner. Il a mis directement dehors. Non. Là, ouais, ça a mis dehors. Mais l'arbitre a dit que non. Le gardien Mestre. Voilà, ça y est, dégage quand même. Bucks. Jean-Michel pour Patrick. Ah. Jean-Michel, carte pour Pone.
avec Saïd qui lui remet en retrait. Il y a une petite faute là. Il est allé s'excuser quand même. Faute de Christophe sur Saïd. Et c'est Houssine qui joue là. Abdé, pardon. Jean-Michel qui plonge la tête. Houssine. Le gardien sans contrôle. Jean-Michel contrôle ce ballon. Retourné. Jean-Michel, la tête. Pour Larsen. Avec Pone. Saïd. Tourné avec Abdé. Change de côté. Sébastien. Pone. Pone qui a du champ. Merci Jean-Michel, mais Patrick a bien couvert. Mais on récupère le ballon, les jaunes. Saïd, Houssine, 1-2, double 1-2. Saïd, Jean-Michel, par-dessus, José. Oh, petite bousculade là de Bruno. Mais il rigole. Et... Dégagement de José, côté gauche. Tête de Momo. Une touche pour. Il y a un coup de sifflet là. C'est une touche à refaire. Avec aussi encore un coup de sifflet, deux fois que la touche était mal faite. Donc on change de main. Pour Bux. Christophe. Ridouane. Seul face au but. Bonne couverture de Pone qui concède un corner. Bien revenu. Qui c'est qui va tirer? C'est Didier encore pour faire ce corner. Il se presse pas trop. Elle a tombé. Un bleu, mais mauvaise tête. Il n'a pas pu lui armer sa tête en fait. Mais récupère le ballon, encore les bleus, encore un corner, concédé par Pone encore une fois. Cette fois c'est Domi qui va tirer ce corner de l'autre côté. Pied gauche. Oh, belle tête, mais le gardien tranquillement. Devant pour Bucks de la tête. Ridouane. Ridouane encore. Qui passe entre deux joueurs. Ah, Ridouane qui égalise. Un partout. Un partout. Le 1, jaune 1. Bon, on attend le ballon. Voilà. Jean-Michel. Houssine. Seb devant. Oui.
Saïd. Houssine qui récupère. Face à Isma. Saïd. Qui perd le ballon. Abdé. Il a essayé de dégager en touche, mais Saïd l'a trouvé. En deux temps. Pique. Avec Domi. Domi qui centre. Christophe. Oh, bien galé. Tête de Gilles pour Didier. Christophe. La science qui coupe, qui relance. Avec Bruno. Bruno coupe avec Gilles qui écarte pour Bucks. Et une touche de balle. Ça joue très bien côté bleu. Bucks qui déborde. On réclame un hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Christophe tout seul. Et 2 à 1. But de Christophe. Où est-ce qu'il sort ? On est là, on est là. Alors bleu 2, jaune 1. Un milieu ! Il y en avait qui sortait ! Ça serait pas mal ! On demande encore un changement. Un milieu. Il y a trop d'attaquants et pas assez de milieu de terrain dans cette équipe de jaune. On attend encore le ballon. Ça y est. Avec Larsen. Et Bruno. Avec Houssine, Sébastien, Abdé, dégagement, Didier, Saïd qui coupe, Christophe, toujours Christophe là-bas, face à Abdé, il arrive à passer. Non, Isma. Jean-Michel qui. Ouh, il a taclé, mais Christophe a jailli. Alors Jean-Michel qui dégage ce ballon. Loin devant. C'est Brio qui récupère. Il peut jouer avec son gardien. José qui joue pratiquement comme un libéro. Domi. Poussine. Toujours Houssine avec la science. Houssine, la science. Houssine encore. Ils ont fait un triple 1-2 là. Houssine qui déborde Didier dans sa box. En retrait avec la science, mais box est bien anticipé là. Abdé contre la poitrine. Tente une frappe de très loin. José contrôle au pied d'ailleurs. Relance à droite. Patrick, Isma, Jean-Michel, dans l'espace pour Bruno. Oh, belle frappe de Larsen. Mais légèrement à droite. La science récupère ce ballon. Et Bruno, 1-2. Il va se tromper là. Bucks va refaire cette touche. Avec Domi par-dessus pour Edouane. Mais les gens le coupent. La science. Ben par-dessus. Gilles. Larsen, Chatou, Houssine, peine de frappe, il accélère, mais il était contré, José récupère ce ballon.
Kanté avec Saïd. Petite carte pour Sébastien. 1-2. J'ai joué à une touche de balle. Ridouane, il y a un hors-jeu là. Bien la défense, ils sont bien montés au bon moment. Abdé qui va chercher loin devant. Coupé par Patrick. Récupère Saïd. Gilles. Chatou. Veseb. Contrôle poitrine. Par-dessus. Aussi il a tombé, une tête. Bien captée par le gardien. Beaucoup d'occasions dans ce match. Abdé. Face à Christophe. Ah, il a évité le tacle. En retrait. Une frappe de Bucks. Oh, ça passe à côté. Mais c'était bien joué. C'est un corner même. Corner qu'on va tirer. Si nous le montre à l'écran. Domi. Une tête et le gardien est là. Jean-Michel contrôle. Il marche un peu dessus. Face aux trois joueurs. Bien pour Saïd. Avec Houssine. Houssine qui avait cherché Bruno. Personne ne va au pressing. Patrick pour relancer. Avec Abdé. Isma, hors jeu encore de Christophe. Bien monté la défense. Abdé joue libéraux aujourd'hui. Abdé, Houssine. Houssine qui accélère. Passe entre les deux. Bruno, il tente une frappe extérieure. Et le gardien fait une parade exceptionnelle là. Paul, il se fait piquer le ballon par Isma. Par-dessus, encore hors jeu. Bien vu l'arbitre. La défense des jaunes joue très bien le hors jeu. Toujours Abdé pour ses longs dégagements. On saute les milieux sur les jaunes, on va directement voir les attaquants. La science qui prolonge. Bucks est là. Bruno va au pressing. Gilles. Gardien qui monte un peu. La tête de Domi. Ça c'est Paul. Saïd. Larsen. Antoine qui vient de rentrer en jeu là. Dégagement du gardien. Didier qui écarte. Sieste de la tête avec Jean-Michel par-dessus. Mais Briot est bien placé. Il laisse le soin à son gardien de dégager. Didier. Pour Patrick. Ah, il y a une petite faute là. De Saïd sur Patrick. Dégagement, Abdé. Domi, la science qui récupère. Bruno, non, c'est Gilles, Patrick.
Ridouane, il accélère. Il écarte pour Bucks. Allez, va bien. Allez, va bien. Va loin. Non, c'est pas Bucks, lui. On laisse passer. Et c'est le troisième but. C'était une feinte de frappe. Le gardien s'est fait avoir là-dessus. Donc, ça fait 3-1 pour les Bleus. Pour la première de Palo. Qui a fini second du championnat. De championnat de 3ème division. Il va falloir mise en jeu entre Bruno et Larsen toujours. Jean-Michel qui écarte pour Saïd. Pas par-dessus, mais il va récupérer en quelle sorte la touche. Bien débordée. Ou un tacle là de Patrick qui s'appuie sur Didier avec brio, avec Domi qui change de côté, avec Bucks, belle reprise là de Ridouane. Ah, les Bleus là ont pris le dessus sur les Jaunes. J'en étais rentré mieux dans le match, mais les Bleus se sont ressaisis. On attend encore le ballon. On n'a pas de ramasseur de balle à Palo. Gardien. Pone avec Abdé. Gilles qui est coupé. Ridouane qui est talonné pour Gilles, mais bien revenu. Larsen par-dessus. Bruno. Domi. Didier. S'appuie derrière avec brio. Qui s'appuie avec son gardien. Avec Gilles sur le côté droit. Par-dessus, Ridouane. Oh, très bon contrôle là. Voilà, une petite main. Oui, oui, bien sûr, il y a une faute, une main et puis une faute sur le gardien. Faute de Christophe. C'est Assien qui dégage. Non, c'était Thomas, son frère. Brio, Larsen, Antoine de la tête, mais Brio est là. José, le gardien récupère à la main, relance de suite avec Brio. Sur ce côté droit. Pone, il s'est fait mal un peu. A pris un petit coup. Jean-Michel qui va voir s'il va bien. Il se relève, il n'y a pas de problème. Oh, il se lève en boitillant un peu quand même. Isma. C'est la mi-temps. Que siffle l'arbitre sur le score de 3-1. Je crois que ça y est là. Ah, ça y est. On va donc sur 3-1.